En dans chapitre, nous prenons le montre un pile bel travail au cas réalisé à côté de Tanglan. Si vous arrivez dans le chapitre, ça signifie tout simplement que leçon avant vous ou bien maîtrisé. Et si vous bien maîtrisé, vous gardez carrément bienvenue dans le monde de la joie et vous prêt pour continuer ensemble avec nous. Juste avant que nous continuions, nous avons remercié tout le monde qui a aidé nous. Tout le liste dans le monde qui a affiché en l'air. Sinon, liste monde qui a aidé nous arriver jusque là ensemble avec vous. Sans eux-mêmes, nous allons arriver. Donc, chaque fois qu'on croise eux, chaque fois qu'on rencontre eux, dis-eux merci. Parce que sans eux-mêmes, pas d'abri une collection sa prof. Sans eux-mêmes, tout, on va pas étudier ensemble avec nous. Dans le sens ça, nous allons parler de bar et les toolbox. Toolbox, c'est mot anglais, mot français, c'est boîte à outils. Ça n'est les boîtes d'outils. Et il est toujours placé à gauche, écran, côté où elle placé là. Et si mettez le dehors, voilà, on va le marquer toolbox. Chaque grain ça yo représente yon tool, c'est-à-dire yon outil. Et c'est à partir de outil ça yo que on pral capable réaliser toute belle magie ou capable faire en Corel Joe. Nous relé magie parce que pour monde qui pas kan rien en Corel Joe, l'on fait un travail devant yo pour eux-mêmes, c'est magie ou fait. Alors nous pral apprendre à partir de boîte d'outil ça pour créer tout style de magie que Corel Joe capable permettre de créer. Alors, de la gauche vers la droite, qui ça qui constitue bas toolbox? Donc, premièrement, pick tool. Deuxièmement, nous gagnons shape tool. Raccourci c'est F10. Nous gagnons crop tool. Nous gagnons zoom tool. Raccourci c'est Z. Nous gagnons freehand tool. Donc, chaque fois passer souris à souris, dit tout bon qui j'en relais. Nous gagnons ellipse tool, nous gagnons polygon tool, raccourci c'est Y. Et puis, dernier, nous gagnons c'est interactive fill tool, raccourci c'est G. Donc, chaque fois mettre souris à souris, dit tout bon qui j'en outil ça, dit relais. Maintenant, remarque, nous avons mon fait, c'est que, l'on prend pick tool avec shape tool, c'est pas même bagaille que oui. L'homme dit c'est pas même bagaille, c'est pas en nom, ni en forme, mais plutôt, gardez bien shape tool, on peut le caractériser par un petit flèche dans le coin inférieur droite li en bas. Ça signifie, si je clique sur ce fait ça, la bombe reste outil qui gagne en dedans shape tool là toujours. À savoir, autour du même shape tool là, ou pas le smudge brush, ou pas le roughen brush, et puis ou pas le free transform tool. Et c'est pareil pour chaque grain outil qui gagne un petit flèche en bas. Si je prends par exemple, outil ça, on clique en dedans, ça signifie que en dedans, gain l'autre outil encore. Flèche signifie que c'est pas seulement outil ça qui caractérise objet A, mais gain l'autre outil en dedans que on va servir ensemble avec. Alors, battle box 1, gardez bien, essayez familiariser ensemble avec parce que tout Corel Joe va dépendre de lui-même.